Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Ce soir ou jamais. Alors je vous attendais pour commencer à poser des questions à Dieudonné. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir. Vous êtes un humoriste, vous considérez toujours comme un humoriste. Ah, tout à fait, de plus en plus. C'est en tant qu'humoriste que vous allez faire le Zénith bientôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous avez trouvé ça drôle de vous rendre de votre plein gré à la fête bleu-blanc-rouge du Front National? Effectivement, je serai le 18 décembre aux Zénith de Paris. C'est un petit peu aussi pour ça que je suis là. Merci vraiment de ton invitation. Je vais te vous voyez, c'est peut-être mieux pour ta carrière. C'est peut-être mieux pour ta carrière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que merci de m'inviter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une émission en direct sur France 3. La dernière, c'était avec Marc-Olivier Fogiel. C'est vrai. Depuis, lui n'est plus sur France 3. Mais enfin bon, mais je crois qu'il a une belle carrière. Je lui en veux absolument pas. Il y a la dernière émission sur le service public, c'était, je me souviens, c'était Ardisson qui m'avait dit. C'est la dernière fois que je peux t'inviter, tout ça. Aujourd'hui, il avait dit c'est la dernière fois que je vous inviterai. Il disait pas qu'il y était autorisé, c'est qu'il ne voulait plus vous inviter. Ça c'était de face caméra, effectivement, c'était la version. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui lui qui n'est plus sur le service public. Donc comme quoi, tout évolue, tout change. Et c'est pour ça qu'il faut se garder de juger les gens trop facilement, trop rapidement. Alors cette visite à la fête du bébé, alors je me suis retiré, parce que je vois que ça vous passionne, cette question. Donc je vais essayer d'y apporter une réponse claire. C'était un vendredi après-midi. J'étais tranquille, on était peinard. Et puis, m'étant retiré des élections, de la candidature à l'élection présidentielle, c'était trop de boulot, 500 signatures, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les réseaux suffisants pour obtenir ces 500 signatures. Donc je m'étais retiré pour me concentrer, sur mon activité artistique, pensant être plus efficace sur scène que sur la tribune politique. Et puis, il y a pas mal d'associations avec qui j'avais travaillé pour l'obtention de ces 500 signatures, et on s'était dit, ça serait bien pour tous ceux qui me faisaient confiance de pouvoir aller au moins écouter les gens. Donc nous étions rendus à la fête de l'humanité, puis il y a eu cette opportunité d'aller au BBR. On pensait qu'on allait se faire taper dessus. Le BBR, c'est la fête bleu-blanc-rouge. Voilà. Oui, je suis quasiment un familier maintenant, donc je dis les BBR. Alors on avait peur de se faire taper dessus, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Arabes, qu'est-ce qui va se passer? Puis alors pour moi, qui avait été diabolisé pendant 3 ans, Jean-Marie Le Pen, c'est un mythe, c'est un exemple. En termes d'enculé numéro 1 de la planète, avec un stature international, et ayant battu en finale en 2005, je m'étais dit, c'est l'esprit Coubertin, je vais aller le voir. Bon, vous voulez dire l'ayant battu, c'est-à-dire que vous êtes tout à coup encore plus impopulaire que lui? J'ai appris ça, que même ma présence pouvait déranger peut-être l'image de Jean-Marie Le Pen à un moment donné. Donc là, je me suis dit, on est sur la Lune, c'est Mars, formidable, avançons. Et puis là-bas, il n'y a eu absolument aucun problème. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen a été un adversaire en plus courtois, parce que ça fait depuis toujours. Mon engagement politique, il s'est fait d'abord contre le Front National. Oui, c'était en 97, vous êtes présenté à Dreux. Voilà. Aux législatives. Ça. Et je n'ai cessé d'ailleurs de combattre le Front National jusqu'à effectivement ce lynchage particulièrement injuste que j'ai subi, et puis qui m'a fait voir les choses un petit peu différemment. Moi, c'est sûr que je ne suis pas au Front National, je n'ai pas appelé à voter Jean-Marie Le Pen, mais il y a des gens qui aujourd'hui sont dans le doute, et pour eux, j'avais l'intention d'aller voir, d'écouter, simplement, voir. Et puis, cette ligne, j'avais lu un... Alain Soral m'a fait lire un texte sur lequel il avait travaillé, puisque lui s'est rapproché du Front National, un texte qui était un national que vous connaissez d'ailleurs. Qui est un écrivain. De talent, enfin moi je l'ai connu par l'écriture, et j'ai trouvé que ce qu'il avait écrit en collaboration, je crois, avec l'équipe du Front National, c'était quelque chose d'intéressant. Donc je lui ai dit, parlons, ouvrons le débat, et puis j'en ai marre de la diabolisation. Moi on m'a montré ce Jean-Marie Le Pen pendant 30 ans comme étant le mec responsable de tous les malheurs de la société. Franchement, objectivement, je veux dire, je crois qu'aujourd'hui on doit pouvoir se faire une opinion par nous-mêmes, et arrêtons de laisser Julien Drey et SOS Racisme réfléchir à notre place. Ça fait 20 ans qu'ils sont en charge de la lutte antiraciste. J'ai l'impression que le racisme a été instrumentalisé à des fins politiques et que ça n'a pas de sens. Au fond, c'est le communautarisme qui est un véritable problème. Je reviens quand même à ma question. Vous êtes un humoriste. En quoi vous trouviez ça drôle? Indispensable. Pour moi, un humoriste est le baromètre de la liberté d'expression. Et lorsqu'on vous montre le diable,
pour un humoriste, aller rire avec le diable, c'est quand même une performance. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est plus simple, évidemment, d'aller faire le beau dans un salon de thé avec Ségolène Royal. Vous risquez moins, mais c'est moins drôle. Vous pensez que c'est plus drôle, moi je trouve que c'est moins drôle. En tout cas, notre fonction d'humoriste, c'est d'aller à la cour. Aujourd'hui, il y a une grande bourgeoisie humoristique, d'humoristes, des gens qui se comportent en grands bourgeois, qui sont là, ils sont de tous les cocktails, de tous les films, de cinéma. Et je pense qu'ils ont oublié leur fonction première, qui est de sortir des vérités au risque de déplaire. Je n'incarne pas la raison, je suis un simple histrion qui fait un peu de rêve avec du vent, c'est ce que je fais sur scène et que je n'ai pas cessé de faire. Mais alors, je vais vous montrer ce que ça a produit comme effet, cette performance, voilà ce qui est passé par exemple sur le journal de France 2, on regarde tout de suite, voilà ce que les gens ont vu de vous, de France 3 pardon, ce que les gens ont vu de vous ce jour-là. Pour montrer sa forme, Jean-Marie Le Pen visite au pas de charge. D'abord, les vieux militants. Oh Dieu, ça va bien. On essaye, j'ai plus de temps. Ensuite, le tableau qui rajeunit. À 78 ans, il se voit en corsaire de la République. Enfin, la valse avec Jeannie. Tout est réglé comme du papier à musique. Puis vient le trublion, l'ex-candidat à la présidentielle de Donné. Les caméras sont sur lui et vite le numéro 2 du FN, Bruno Gollnisch, monte au front. Je visite, là, c'est l'antre de la bête immonde, disent les malveillants. C'est en fait un rassemblement populaire de gens de toutes couleurs. Vous êtes parti des esprits libres et vous êtes le bienvenu au Front National. Comme partout. Avec deux gardes du corps, l'humoriste s'est invité à la fête bleu-blanc-rouge du Front National, sans provocation, sans soutien à Le Pen. Je représente à moi tout seul l'axe du mal, la branche humoristique d'Al-Qaïda. Quoi que je fasse, j'ai l'impression, de toute façon, les choses sont un peu... Je ne suis a priori hostile à rien, aujourd'hui je suis dans une logique d'ouverture. Le leader frontiste, lui, continue sa balade et s'agace un peu de devoir partager la vedette. Et il a le droit d'être là comme tout le monde. C'est pas une réunion dans le salon des militants ou de tel ou tel militant. C'est une réunion nationale. Bon, par conséquent, tous les gens, tous les Français ont le droit de venir ici. Dans les allées, la tension monte, les militants sont divisés, certains trouvent que le FN dérape. Il est antisémite. Moi, je ne me reconnais pas avec des gens antisémites. Je suis catholique, je suis nationaliste, je ne me reconnais pas. De toute façon, je voterai pas en 2007 dans ces conditions-là. Très vite, la consigne tombe d'en haut. Dieudonné est poussé vers la sortie. Devant les médias, le FN ne veut pas de débordement. Alors, Dieudonné, est-ce que vous avez l'impression que l'effet est réussi? C'est ce que vous vouliez? Ça me fait rien. Bon, excusez-moi, on n'a peut-être pas le même sens de l'humour. Mais moi, je trouve ça amusant parce que c'est ça la réconciliation. C'est-à-dire que moi, j'ai été longtemps, pendant 10 ans, ce sont des adversaires politiques. Je me retire de la scène politique, la moindre des choses. Il faut arrêter de se regarder et diaboliser l'autre. On est là, on va vivre ensemble. Avec les électeurs du Front National, on va vivre ensemble. Et dans les quartiers et dans les cités, les jeunes, ils vivent avec ces gens-là. Donc c'est ensemble qu'on doit vivre. Et donc il faut arrêter de nous dire que voilà, les méchants, c'est là. Et puis pareil, de dire les méchants, c'est les petits jeunes des quartiers. C'est pas ça. On est là. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble en paix. Et puis il faut arrêter avec la diabolisation. Moi, franchement, je trouve que il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais pouvoir débattre, notamment sur l'immigration. Parce que quand on parle d'immigration des personnes, bien sûr, mais le problème c'est que c'est juste un aspect des choses, c'est l'immigration des matières premières, des biens, des flux financiers. J'aimerais pouvoir discuter de ça, moi, et pourquoi pas avec le Front National, pourquoi pas avec tous ceux qui parlent d'immigration, les socialistes, les gens du RPR, de l'UMP aujourd'hui. Quelle a été leur politique avec l'Afrique? Toujours la même, désastreuse, on pille les matières premières. Et puis moi j'habite en partie en Afrique aujourd'hui, et il y a un pipeline qui passe, il n'y a pas là-haut électricité au pied du pipeline, comment ça se fait? Ce sont des questions qui m'interrogent. Est-ce qu'il y a une question que vous vous êtes posée, par exemple, c'est que vous vous êtes pas dit en allant là-bas, en étant filmé, je vais faire de la peine, je vais choquer, je vais faire de la peine à des gens de la communauté arabe ou de la communauté noire en France, qui en vous voyant au Front National, vous, Dieudonné, l'humoriste, qui les faisait rire, ils vont avoir de la peine, exactement comme des gens de la communauté juive ont pu avoir de la peine quand ils ont eu l'impression que vous étiez devenu leur ennemi.
Alors vous les faisiez rire avant, et tout à coup ils ont eu l'impression que vous deveniez leur ennemi, et là tout à coup ça leur fait de la peine, ça les choque. Plein de gens qui ont de la peine de voir Doc Génicaud serrer la main de Sarkozy, plein de gens, alors qu'en plus lui appelle à soutenir, plein de gens qui ont de la peine avec le soutien de Ségolène, en disant bah, je l'aimais bien mais j'aime pas Ségolène, ça veut rien dire, genre, moi je n'ai pas appelé à voter Jean-Marie Le Pen, je suis aujourd'hui sorti de la vie politique, puisque j'ai retiré cette candidature et puis j'ai décidé de ne plus me représenter à des élections, maintenant en libre penseur, je suis aujourd'hui amené à rencontrer tout le monde et je pense qu'on est là, on va vivre ensemble et j'en ai marre qu'on mette systématiquement, qu'on diabolise les gens autour de ces sujets du racisme comme ça. Je trouve que c'est ridicule, il faut discuter. Moi je suis pour le débat et je pense que ça sera intéressant de débattre et d'écouter tous les points de vue, notamment sur ce sujet de l'immigration. C'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire que ce qui peut gêner, ce qui a pu déranger, ça n'a pas de sens. Je reviens, vous êtes un humoriste et vous vous présentez comme un humoriste. C'est ma fonction première. Et pas comme un homme politique. Et au Zénith, ce sera l'humoriste Dieudonné et pas l'homme politique. Donc, pourquoi cherchez-vous des débats? Est-ce que je pensais que vous vouliez faire rire. Mais c'est on ne peut plus drôle que d'aller chercher les origines et les racines de son rire dans la réalité. Le bouffon à la cour du roi, il allait à la cour et il se moquait comme ça de tous les puissants. Il disait, regardez, toi, t'as un nez. Il se moquait de vérités que personne ne voulait dire. Et c'était ça, sa fonction. Et c'est aujourd'hui ce que je fais. Les guignols, dans un autre genre, se débrouillent très bien, me font beaucoup rire. Et puis après, il y a les bourgeois humoristiques. Ceux qui vont faire des sketchs sur les portables, les pantalons trop courts, mon cul sur la commode. Mais très bien. Je veux dire, je n'incarne pas le bon rire, j'incarne un rire qui est un rire dans une vraie tradition d'humoriste et de bouffon à la cour. Alors à ce moment-là, ce serait un malentendu quand il y a des gens qui ne sont pas du tout des puissants, je vous disais, les gens que vous faisiez rire avant, qui soient de la communauté noire, arabe ou juive, ou même d'aucune de ces communautés-là, gens... et qui vous faisiez rire. Ces gens-là ne sont pas des puissants, et tout à coup, ils vous voient là. Des gens de la communauté noire, des gens de la communauté arabe, vous parlez des communautés. Moi, je suis un anti-communautaire. Je trouve que les communautés renferment. Et le projet républicain, c'est l'ouverture. C'est donc le débat et la discussion. Moi, je pense que les communautés sont en train de nous opposer les uns aux autres et que si mon message a pas été compris, c'était peut-être celui-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu un débat et un combat communautaire. Donc ceux qui sont dérangés chez les Noirs ou chez les Arabes en disant « ils ne défendent pas ma communauté », je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours défendu l'universel. Je sais que nos origines, on est tous des origines communautaires. Des origines ou une couleur de peau, oui, ou ça, une origine qu'on n'a pas choisie. Ça, c'est notre passé. Notre avenir, c'est l'universel. C'est ça ce que j'ai en point de mire. Et c'est ça qui me paraît le plus important. C'est pour ça que le communautarisme et toutes les barrières et les frontières communautaires, c'est de la merde. C'est pour ça que quand j'entendais cette personne dire qu'il est anti-sémite. Il y en a qui ont pensé que c'était raison. Ici même sur ce plateau, quelqu'un pensait que c'était la raison pour laquelle vous étiez allé là-bas. Anti-blanc, anti-machin, anti... Alors je leur dis, je suis anti-tout. Je suis anti-table. Pourquoi vous leur dites pas plutôt je suis anti-rien? Ben je suis anti-rien ou anti-tout, c'est exactement pareil. Je suis pour l'universel. Donc un être universel ne reconnaît pas de frontières à l'intérieur de l'univers, de l'humanité. Donc quand on est pour l'universel, les frontières religieuses, les croyances, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que mon rire, il est fondé là-dessus, sur l'anti-communautarisme primaire. Ne vous énervez pas. C'est un verre qui se casse. Votre rire, celui qui était le vôtre avec Elie Semoun à vos débuts, Dieudonné, je trouvais qu'il avait quelque chose d'original. Parce que pour vous moquer de la misère, vous moquiez des pauvres. Et pour vous moquer du racisme, vous moquiez souvent des antiracistes. Est-ce que vous avez l'impression que vous continuez ça aujourd'hui? Oui. Et je pense qu'il n'y a pas pire imposture que ceux qui se sont battus contre le racisme ces derniers temps. Je veux dire, SOS Racisme, Julien Drey, toute cette équipe. Je ne vois pas pire imposteur. C'est les pires dangers pour moi, c'est d'avoir instrumentalisé cette souffrance, cette cause, à des fins politiques. Le racisme, il est en chacun d'entre vous, entre vous, moi, tout le monde. Le racisme, il est partout. Il faut qu'on le dompte, qu'on le dresse en nous et qu'on arrive à vivre ensemble. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on peut aller se moquer des antiracistes à la fête bleu-blanc-rouge et pourquoi pas aller se moquer des pauvres à ce moment-là, je sais pas moi, à Davos, vous l'imaginez, vous pourriez le faire? Ça n'a rien à voir, parce que, je vous le dis encore une fois, ceux qui parlent du racisme, moi, SOS Racisme par exemple, je suis un peu virulent sur cette association, vous l'avez remarqué, je ne savais pas que c'était SOS Racisme dans ce sens-là, ils venaient en aide au racisme, SOS Racisme, attention, le racisme est en... Mais attendez, à chaque fois, ils ont hiérarchisé les souffrances, ils ont organisé une compétition victimaire, en hiérarchisant... C'est eux, c'est souvent ce qu'on vous reproche à vous. Bah oui, bah évidemment, on va reprocher à celui, c'est ce qu'on appelle un transfert en psychologie. On fait le transfert sur celui qui finalement, qu'est-ce que j'ai moi? Est-ce que j'ai une association qui a des soutiens, des subventions nationales? J'en ai pas moi.
Moi, je suis pas en charge de régler ce problème de racisme depuis 20 ans avec un renfort de grands moyens. Donc, on peut pas me renvoyer la responsabilité. Moi, ce que j'observe, c'est que on peut pas parler de racisme sans parler de communautarisme. Et le problème en France aujourd'hui, c'est le communautarisme. Et d'ailleurs, j'en entends parler, les politiques commencent à aborder ce sujet-là. C'est pas le problème du racisme. Quand on aura réglé le problème du communautarisme, quand on se sent... moi, je suis français, j'étais français. Bon, après, je suis noir. Bon, c'est toute une histoire qui m'a fait que, voilà, on se rencontre, on est là et on va vivre ensemble. Donc, si on a envie de vivre ensemble et avoir une logique durable et un projet durable ensemble, il faut bien qu'on abandonne ces frontières-là. Vous disiez tout à l'heure, Dieudonné, que vous n'êtes anti-rien. Je suis anti-tout ou anti-rien. Il ouais. y a donc un malentendu, parce que souvent on vous considère anti. Est-ce que vous n'avez pas eu envie à un moment de dissiper ce malentendu, de dire, allez, pousse, il y a eu un malentendu, que ce soit bien clair, je ne suis pas ce que vous croyez, oublions ça, partons sur une autre base. Alors que là, c'est, on a au contraire l'impression que vous continuez de brouiller les pistes. Vous n'avez pas eu un moment envie de dire pousse, stop? Je suis un artisan, je ne suis pas un industriel de l'humour, et vous le verrez au zénith, c'est-à-dire que je fais que gérer en fait un sentiment de liberté d'expression et donc j'ai l'impression que ce n'est pas forcément confortable de faire ce métier d'humoriste. Et d'ailleurs dans l'histoire de Molière, en passant par tous ceux qui ont à un moment donné été un peu critiques sur certains tabous ou des valeurs ou attaqué le sacré, ont eu une position difficile et ont été parfois bannis. Ceux qui vivent copieusement, enfin confortablement à la cour, ce sont des grands bourgeois de l'humour, c'est autre chose, c'est un autre métier. Et je pense qu'il est important dans une société, dans une démocratie, d'avoir ces troubles faits qui ne sont rien d'autre que des baromètres. Il faut pas... est-ce que ça vous ferait rire, là encore, je reviens à l'humoriste, ça vous ferait rire l'idée qu'il y ait par exemple des racistes qui viennent à votre spectacle et qui rient? Je suis sûr qu'il y a des racistes qui viennent à mon spectacle. Probablement, est-ce que ça vous embête? Encore une fois sur le mot raciste... Non, vous dites formidable. Ouais, formidable. Formidable. Je veux dire, qui vous dit qu'un criminel n'a pas été voir, ou un pédophile, ou un violeur n'a pas été voir dans les autres salles de spectacle? Oui, peut-être, peut-être. Mais s'il rit, et si à un moment donné, moi, le fond de mon spectacle, c'est cette perspective d'universalité, si je peux le faire rire, et puis j'ai peut-être un rire un peu comme du thé, mais du temps à s'installer, et s'il réfléchit bien au sens de mon projet humoristique, je pense qu'il va comprendre que le racisme est une bêtise. Mais bon, je pourrais pas, je suis pas là pour lui donner des leçons de morale, mais je peux peut-être par le rire essayer de faire réfléchir. Guy Bedos avait eu ce problème avec son sketch Vacances à Marrakech. Tout à coup, il s'était rendu compte que ça faisait rire les racistes. Il en avait été très gêné. Vous dites non, au contraire, ça vous gêne pas? Non, ça me dérange pas parce que je suis persuadé que. Il faut dialoguer et on ne peut faire la paix qu'avec ses adversaires. Et refuser le débat et refuser le dialogue et la confrontation, c'est lâche. Donc à ce moment-là, vous acceptez de le faire rire, mais pour le faire changer d'avis. Là aussi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas envie à un moment, face à un éventuel raciste, de dire « pousse, attention, ce que je suis en train de dire n'est pas raciste ». Ça ne doit pas te faire rire. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que, on me posait cette question, des gens qui étaient un peu attachés à ça, au racisme, j'essaie de les amener à le ridicule de cette posture, ça n'a pas de sens. Même si à un certain moment, on peut avoir des pulsions racistes, et je pense que n'importe où, tout chacun peut avoir ce sentiment-là, à terme, on peut s'apercevoir dans la vie que... moi, je me suis battu, j'ai rencontré des gens qui étaient des skins, on s'était battus comme des chiffonniers à l'époque. On a 40 ans, chacun a des enfants, puis on s'aperçoit que finalement, bon, bah, ça n'a pas de sens. On s'était vu comme ça, mais il faut laisser aussi la possibilité à l'autre de changer. Vous le jugez de manière irrévocable. Et c'est ça qui est un problème. Un raciste, il peut changer. Pourquoi le condamner à vie au racisme? Il y a une morale dans votre spectacle, dépôt de bilan? Il n'y a rien. Je fais rire et je déteste les leçons de morale. Je suis enchaîné à ma liberté de conscience et de pensée. Et je pense que ce spectacle est certainement un spectacle qui... Pour illustrer en fait ce spectacle de dépôt de bilan, il y a un sketch. C'est un sketch sur le dépôt de bilan des espèces en voie de disparition. Je joue un homme qui est... au standard de cette association SOS Espèces en voie de disparition et qui répond à un rhinocéros qui est en train de dire oui mais là on n'est plus que 25, comment on fait? Et moi je lui dis mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait en 1 million d'années?
Vous n'avez pas évolué. Vous êtes resté dans la terre et en mâchouillant des feuilles avec une corne au bout du nez. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et ce constat désolant de voir effectivement des espèces disparaître chaque année comme ça m'a amené à m'interroger sur l'avenir aussi de notre espèce. Et donc dans ce spectacle-là, c'est le dépôt de bilan au sens très large du terme qu'il faut voir. Tout comme d'ailleurs dans le DVD de 1905 qui sort aussi. J'en profite pour en parler, et qui lui parle de dépôt de bilan de la République et des valeurs de la laïcité. Et c'est terrible. 100 ans après cette loi de séparation des Églises et de l'État, on est en train de nous refaire des associations communautaires et religieuses. C'est terrible. C'est une faillite totale. Je comprends pas, Dieudonné, parce que vous, le laïc, justement, à l'époque, vous étiez candidat à la présidentielle. Ouais, c'est fini, le Hamas a gagné les élections en Palestine. Vous avez publié un communiqué comme un chef d'État. Et là, j'imagine qu'il y avait de l'humour, que c'était l'humoriste qui parlait. Mais en même temps, vous félicitiez le Hamas de sa victoire. Le Hamas, c'est pas un parti laïque, c'est un parti religieux. Pourquoi le félicitiez-vous de sa victoire aux élections en Palestine? Non, je trouvais que quand la démocratie s'exprime, quand le peuple s'exprime, c'est bien. C'est-à-dire que là, il y avait effectivement une volonté, je pense, de plus radicale, mais de discuter et d'interpeller la communauté internationale sur le droit, simplement. Et je pense que... on verra. Mais en tout cas, la situation, je me suis déplacé au Liban depuis. Moi, je pense qu'il faut dire pourquoi cette diabolisation du Hamas. Ils sont pas plus religieux que les gens qui sont en face. Et de la même manière, le laïc qui est en vous, favorable à la liberté d'expression, vous avez dû applaudir à la publication des caricatures de Mahomet. Pareil, j'ai trouvé ça très bien. Mais j'ai été étonné du deux poids deux mesures en ce qui me concerne. Comment se fait-il qu'on invoque la liberté d'expression quand on tape sur le monde musulman, et dès qu'on égratigne un tout petit peu la politique d'Israël, là, tout d'un coup, c'est le... Qu'est-ce que c'est que ce deux poids, deux mesures? Moi, je suis je ne mets aucune limite à mon humour, mais là, on peut s'étonner. Ça veut dire qu'il y aurait une hiérarchisation dans la sensibilité du racisme, il y aurait un racisme plus grave qu'un autre. Ah, je trouve ça regrettable et terrible. De la même façon que M. Georges Frêche, là, quand il a sorti, je ne l'ai pas condamné. J'ai dit, ben non, on a le droit de dire qu'il y a des Noirs dans l'équipe de France de football, comme on a le droit de dire qu'il y a des Bretons dans les crêperies. Bon, et je vais m'arrêter là pour éviter des problèmes. Mais vous comprenez qu'on peut on peut parler librement, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Pourquoi voulez-vous? On peut ramener donc les gens à ce qu'ils n'ont pas choisi d'être, c'est-à-dire bretons, noirs, arabes, juifs, italiens. Mais on est vu comme ça. C'est une hypocrisie de dire que quand on regarde la télévision française, on dirait quand même beaucoup de noirs dans cette équipe de France. Oui, mais c'est vrai. Pourquoi après? Parce que l'ascenseur social est bloqué, parce que c'est la seule façon d'exprimer. Il y en a aussi beaucoup dans le rap, il y en a beaucoup. Oui, les gens vont se défoncer pour faire un truc comme ils ont quelques modèles. On peut faire footballeur et pour prendre de la tacaillasse. Et puis voilà, et tu fais du rap et ça banque. Et puis voilà, c'est le problème. Il n'est pas. Je pense pas que ce soit un problème de lobby noir ou de. Je me souviens d'un de vos spectacles. La fin, c'était que de toute façon, on va tous finir dans la forêt. Voilà. C'est toujours ça la morale de votre spectacle? Je pense que vous dites qu'il n'y en a pas, mais est-ce que c'est toujours celle-ci au fond? Oui, mais même je pense que... Tous dans la forêt, ensemble, vous disiez. Hein. Oui, moi je pense que on s'est mis tout un tas de frontières entre nous. On s'est construit comme ça. On s'est construit avec des guerres. Et puis ces frontières aujourd'hui, religieuses, ethniques, sociales même... on s'aperçoit qu'elles ont généré des guerres de tout temps. Il n'y a pas une guerre ici-bas où le ver de la religion, de l'ethnie n'est pas à l'œuvre. Donc il est important aujourd'hui, je pense, pour un humoriste ou un homme comme moi, un libre penseur, et sans incarner une quelconque morale ou une raison, d'appuyer là où ça fait mal. Et je pense que ça fait mal, parce que cette perspective d'universel, les gens en ont peur. Les gens sont raccrochés à leur communauté, comme ça, sur le bord. Ils ont du mal à s'imaginer. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs. Ils sont des êtres humains, la première des identités. Ensuite, ils sont français parce que c'est comme ça qu'on règle, on gère un peu les intérêts du troupeau pour l'instant. Ce sont des zones géographiques qui vont évoluer. Moi, je rêve de francophonie, puis d'Europe, puis d'une justice internationale. Mais c'est pour ça que jouer avec ce sentiment-là, ça crée des douleurs. Et j'ai assumé aussi le travail que j'ai entrepris. Merci Dieudonné d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité.